Salut les amis, c'est Améthyste et on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un jeu de la Ludum Dare 32 dont le thème était, je le rappelle, une arme peu conventionnelle, Alien Cub in the Ghost Maze, donc qui a été créé par Xei en catégorie compo et qui est un Zelda-like. Donc comme vous voyez, voilà, j'ai mon héros qui est une espèce de crabe très très bizarre et qui est à la recherche d'une arme épique. Les contrôles, donc c'est les flèches pour déplacer le personnage, ce qui est pas forcément évident parce que les contrôles sont assez rigides, et pour viser c'est la souris. Alors le début est assez simple, c'est vraiment juste pour nous présenter un petit peu justement les contrôles. Voilà, un bouton. Alors, c'est là où c'est chiant parce que voilà, yep. Il est vraiment chiant pour déplacer des objets. Non. Bien un crabe, il est pas fait pour ça. Oh, ça s'ouvre! Voilà, j'ai trouvé un épique moulin à vent en papier. Le pauvre, mais au moins il est mignon avec ça. Oh, bon, je sais que le but c'est pas d'être mignon. Alors voilà, donc comment ça fonctionne? Et ben c'est simple, on clique avec la souris tout en visant et ça nous permet de déplacer ces putains de pierres. Tac. Oh non. Ah, c'est là que les ennuis commencent. Pop. Voilà. Évidemment, ça ne serait pas un vrai labyrinthe s'il n'y avait pas des créatures dedans, et donc il y a des fantômes qui sont évidemment intuables. Hop. Non, restez bien loin, je me casse. Putain. Et merde. C'est vraiment une plaie ces trucs. Hop. Ah, je vous jure, comment vous voulez vous battre avec un moulin avant? Tu sais, en plus comme il est plus fort que nous, ce moulin, faut faire gaffe quand même quand on souffle parce que si t'as Bouboule part dans le vide, bah je vais un peu le regretter, je pense. Allez, sois une gentille Bouboule. Voilà, hein, ça suffira. Tac. Oh putain. Il y en a beaucoup trop. Non putain, fais chier. Restez où vous êtes. Non mais je les déteste. Celui qui a pensé cette IA est un vrai enfoiré. Hop. Ok, génial, de la glace maintenant. Oui, allez, voilà. Tac. Voilà. Quelle quête de merde. Il y a intérêt à y avoir un truc, un trésor de ouf à la fin.
Hop. C'est pour décider de s'aventurer ici, il faut avoir une bonne raison quand même. Hein. Crabe ou pas crabe? Je le sens pas là. Ouais. Salut! Je ne reste pas, je ne fais que passer. Je suis sûr. Ouais, voilà. Je m'en doutais. Non. Ignorez-moi. Qu'est-ce que je vais devenir? Allez. Non mais. Oh putain. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour le moment. Hop. Non, 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 non. Alors vous, vous restez là. Et merde, et comment je vais faire maintenant? Non. Oh là là. De justesse. Ok. C'est censé me perturber, quoi. Hop. Ah vas-y, dis-le tout de suite maintenant que les pierres sont plus mes amis. Oh merde. Oh merde. Vraiment que moi. Ah, ah oui, non, ouais, en fait, faut faire gaffe quand même sur la glace. Gros boulet. Bon, on va rester au milieu. Mais elles sont méchantes ces pierres en fait. Ok. Donc ça c'est un bouton qui reste pas. Allez. Magnifique. Ah! Oh putain! Mais non, mais. Oh là là, comment je vais faire ici, moi? Mais merde! Oh, vous en faites pas, je vais y arriver. Hein. Putain. Bon, on va commencer par lui. Aïe. Putain. Comment vous voulez que je le fasse, franchement? C'est du sadisme, là, les mecs. Et il suffit qu'il y en ait un qui soit pas affecté par mon truc et c'est bon, je suis foutu, quoi. Attendez. Oh putain. Non, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, je vous dis. Bon, c'est pas grave. Putain. Mais non. Putain, fais chier. Bon, attendez, hein. C'est une phase difficile de ma vie, là. Oh putain, salope. Salope. Je voulais pas te pousser. Je sais plus ce que je fais, quoi. C'est simple en fait. C'est, enfin, c'est simple, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, eux. Merde, je voulais pas. Putain. Ah, si en plus ils me suivent pas tous.
Un jour j'y arriverai. Ah! Non, non, non! Putain! Non! J'ai paniqué! J'y peux rien! Ils me suivent pas tous au même endroit! Vous savez, c'est pas évident. Non mais... Oh putain. Je peux pas me concentrer sur 10 000 ennemis à la fois. Je suis désespérée. Merde, pourquoi ils sont restés là, les deux? Putain. Elle m'en voulait pas, hein. C'est vraiment très difficile. Ah, putain. Fais chier! Je vous déteste! Fantôme de merde! Stop, stop, stop! Laissez-moi juste. Voilà. Putain, 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 putain! Je me casse! Allez! Oh là là! Oh, je... Oh non, non, non! Putain. C'est pas humain, hein, de faire des trucs pareils. Et maintenant, je fais quoi? Putain. Voilà. Ça, c'est de la technique. Ah là, je vais y arriver. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-moi passer. Ah putain, je les avais pas vus ceux-là. Eh merde, mais c'est un sadique celui qui a fait ça, hein. C'est pas possible. Allez, mets-moi les pierres, voilà. Oh putain. Je sais pas si je suis censée déranger leur leur paisible vie. Ouais, je suppose. Bon, on va les laisser venir. Oh putain, j'y étais presque. J'avais la bonne technique et tout. Allez, on va pas se laisser faire. Voilà. Bon. Hop, allez. Putain, en fait, ouais, ils ont pas un champ de suivi si élevé, tu vois. Oh.
J'aimerais essayer de les faire venir par là. Ouais, mais il n'y en a qu'un qui m'a suivi. Bon, bah c'est pas la meilleure méthode. Je vous avoue que là, je suis un peu dans un dilemme. Hop, mais non, mais vas-y, je les avais là. Ah, ce jeu m'énerve. Bon, c'est pas si étonnant que ça, mais ça m'énerve. Allez. Allez, on descend. On descend, on descend, et... Putain, mais comment tu veux que je fasse pour passer? Ah là là. Bah non, mais en plus, si les bouboules, elles sont pas mes amis, là, allez... Putain, mais non, faut vraiment que j'arrive à les pousser de... Oh merde, je suis con. Que j'arrive à les pousser, je sais pas, là où il y a les pierres, quoi. Je vois pas, hein. J'y arriverai peut-être. J'y arriverai peut-être. On verra. Je vais faire une ou deux dernières tentatives. Bon allez, hein, c'est pas grave. Ah, fait chier. C'est une bonne idée pourtant d'essayer de les pousser de l'autre côté, non? Vous pensez pas? Ah là là. T'avais dit une ou deux? Je m'en fous. Je m'en fous de ce que j'avais dit. Je vais essayer, puis vraiment, si ça me fait chier, j'arrêterai, et puis voilà. Ça vous... Yeah. Allez. La mort ridicule, quoi. Ah non, mais bon... j'en ai marre. Pourquoi je suis un minable crabe? Et pourquoi j'ai peur des fantômes, d'abord, hein? Qu'est-ce qu'ils vont me faire, les fantômes, hein? Bon, ils ont l'air de me bouffer, certes, mais c'est pas normal que des fantômes te bouffent. Et encore, je combattais des aliens. Mais ça se trouve, c'est des aliens, des fantômes aliens. Oh mon dieu! Des aliens fantômes. Allez! Bah non, mais j'essaie de vous pousser, les mecs. Oh là là. Bon, allez. Donnez-moi une pierre. Voilà. Bah non, mais... Eh, mais ce moulin avant, c'est vraiment de la merde. Ça peut pousser des pierres, mais quand il s'agit de pousser des fantômes, c'est ça, c'est très limité. Et putain, pourquoi il y a du vide? Pourquoi? Grande question existentielle. Bon alors, mais les fantômes, vous êtes pas drôles là. Vous êtes pas drôles. Je vais pas y arriver. Je vais être coincée à ce niveau, ça va me dégoûter. Je veux voir la fin, quoi. Non, mais merde quoi, arrêtez de me foncer dessus. Oh. Salope.
sais pas quoi faire avec vous là. Oh mon dieu. J'ai passé. Oh putain. Enfin, je suis passé. Enfin, j'ai passé le niveau quoi. Et maintenant je me retrouve avec des putains de merde. Salut. Oh merde. Faut que je fasse chemin inverse. Il était un petit crabe pirouette cacahuète. Il était un petit crabe qui va en chier des masses, qui va en chier et des masses. Et maintenant je suis paumé pirouette cacahuète. Putain, fais chier. C'est quoi ces niveaux pour hardcore là? Ah, mais marre. Bon, attends. Hop, 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 hop. Non, putain, je l'avais là, je l'avais. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas fait mes preuves. La la la, la 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 la. Hop, 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 hop. C'est du gros hasard quoi. Des boutons. Ok. Oh merde. Merde. Oh mon dieu. Hop. Bah non, hein, bien sûr, ça pouvait pas être un niveau sans alien. Hein. Pas pourquoi je suis partie aussi pessimiste. Et putain, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, que je ramène la boule qui est là-bas. Oh mais non, mais le niveau de sadisme, mec. Je sais pas, ce matin là tu t'étais levé, tu t'es dit bon, comment je vais pouvoir faire chier les gens qui vont jouer à mon jeu, comment je vais pouvoir les torturer un max. Ah oh, putain, j'en ai marre. Laissez-moi me suicider et mettre fin à ma misère là. Si déjà j'arrive jusqu'à la boule, ce sera bien. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ces niveaux de fou? Voilà. Non. Non. Ne tombe pas, please. Petit Paul. Bon, bah. Non. Je vais pas y arriver, je sens. Je vais pas y arriver. Je me sens légèrement désespérée, là. Et je sens, en fait, le défi que c'est. Mais regardez-moi ça, c'est... Voilà, pour sauver ma pierre, je me suis suicidée. Je veux dire, c'est même pas les fantômes le pire dans l'histoire, là. Enfin, si, c'est une difficulté en plus. Je marche sur... Non, ça marche pas comme ça. C'est parce que j'avais encore quelques pattes qui étaient sur... sur la terre. Putain... Fais chier, j'en ai marre, je m'arrête là. Je suis désolée. Ça me fait chier. Je sais que je vais pas y arriver. C'est impossible. Je sais pas. Si vous y arrivez, si jamais vous finissez le jeu, racontez-moi la fin, s'il vous plaît. En espérant que la fin soit intéressante. Mais voilà, parce que j'aurais vraiment pas le courage de le finir. Je peux pas, je peux juste pas. Oh mon dieu. Ah, je me sens... Oh... emmêlé de partout là, des nœuds de la frustration et je sais que je peux pas, je peux juste pas. À ce niveau, dans ma tête, je sais que j'y arriverai pas. Tant pis.
Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. De toute façon, c'est vrai que le but, c'était pas forcément d'arriver jusqu'à la fin, mais de vous en montrer assez pour vous donner envie d'essayer vous-même le jeu. N'hésitez pas à me laisser un j'aime ou un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et sur ce, je vous fais plein, 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 plein de bisous et je vous dis à la prochaine! Bye bye!